guerre. La guerre change mais ne meurt jamais. En 1945, au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, le monde observe pour la première fois ce qui jusque-là n'était que spéculation, la vraie puissance de la bombe atomique, à Hiroshima puis à Nagasaki. Malgré une victoire commune, ni les États-Unis ni l'URSS ne se berçaient d'illusions sur leur alliance temporaire, et savaient que le jour viendrait où les deux empires s'entrechoqueraient. Laisser à l'ennemi idéologique le monopole sur une technologie si destructrice était impensable. Et avant même que la poussière de la guerre retombe, l'URSS entame le développement de sa propre bombe atomique. La bombe atomique soviétique n'était qu'une question de temps, mais la vitesse de sa réalisation a surpassé toutes les attentes. Le jeu des renseignements dans les deux camps était puissant, et avec le premier essai soviétique réalisé déjà en 1949, l'espionnage faisait très certainement partie de l'équation. Le contre-espionnage était d'une importance première si l'URSS espérait préserver ses gains et rattraper son retard. Dans l'objectif de se construire un véritable arsenal, capable de faire face à celui des Américains et rétablir l'équilibre atomique mondial, de leur point de vue, des centres de recherche, des usines d'extraction et de raffinement du plutonium et des sites d'assemblage et d'essai se construisent dans des endroits éloignés des grandes métropoles. Les premiers scientifiques aux commandes du projet atomique soviétique n'étaient pas des gens très pratiques. Ne pouvant pas connaître d'avance l'étendue du projet, ils estimaient que chaque site pouvait être desservi par 2-3 000 personnes logées dans des baraques temporaires. Il découvre très rapidement qu'en réalité, l'opération nécessite 100 fois plus de main-d'œuvre. La bombe atomique nécessite l'intervention de chercheurs, d'ingénieurs, de personnel médical et de sécurité, sans parler du fait que tout ce monde-là avait besoin de se nourrir, se loger et se divertir. Et ainsi, autour de ces usines commencent à s'élever des villes entières de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, sans pour autant recevoir de nom ni apparaître sur les cartes. J'ai grandi dans l'une d'entre elles. Les villes secrètes, aujourd'hui plus correctement appelées villes fermées, sont des agglomérations qui ont été formées autour des complexes industriels dont l'activité tombe d'une manière ou d'une autre sous le joug du secret d'État. Comme on peut deviner par leur nom, elles ont été construites et fonctionnaient dans la confidentialité la plus totale. Elles n'apparaissaient pas sur les cartes, dans les guides touristiques ou les encyclopédies, elles n'étaient pas indiquées sur les panneaux routiers, et les rares lignes de transport qui y menaient se réalisaient dans des véhicules non marqués. Jusqu'à leur déclassification, elles n'avaient même pas de nom propre. Le modèle de ville construite autour d'une seule entreprise n'était pas exclusif à l'URSS. Les company towns existaient en Angleterre et aux États-Unis depuis le 19e siècle, lorsque le concept de paternalisme, devoir moral des patrons vis-à-vis de leurs ouvriers, poussait les industriels à prendre en charge la vie domestique de leurs employés à travers la construction des résidences et des infrastructures avoisinantes qui leur étaient ensuite proposées à des prix avantageux. Les villes secrètes elles-mêmes, avec un régime de sécurité spécial pour les habitants, ne sont pas propres à l'Union soviétique. En 1915, durant la crise des obus de la Première Guerre mondiale, lorsque les Britanniques commençaient à souffrir du manque de munitions, la construction de l'usine de poudre Gretna s'est accompagnée de la création de deux villes à infrastructure indépendante pour les 30 000 ouvriers. Les employés, majoritairement des jeunes femmes, étaient sous surveillance et leur baraque était entourée de barbelés. Les administrateurs de l'usine faisaient tout pour contrôler leur temps libre jusqu'à la réduction des passages des trains. Et les établissements de divertissement, comme les pubs, étaient nationalisés, avec des horaires d'ouverture réduits et une bière plus faible en alcool pour lutter contre l'hiver. Les restrictions étaient encore plus strictes pour les habitants de Los Alamos, lieu de naissance de la bombe atomique américaine. Les chercheurs vivaient sous des faux noms, pouvaient communiquer avec le monde extérieur qu'à travers le courrier censuré, et les visites chez la famille n'étaient autorisées qu'à titre exceptionnel par l'armée qui supervisait chaque étape de leur vie quotidienne. La ville de Richland, Washington, reconstruite en 1944 pour accommoder l'usine de plutonium de Hanford, était elle aussi propriété fédérale, avec une grande partie des employés ne sachant pas exactement sur quoi ils travail, avant le jour fatidique du bombardement de Hiroshima. Et de la même manière, le projet atomique soviétique était enrobé dans un climat de confidentialité totale, qui entraînait des conséquences importantes sur la vie quotidienne des personnes qui y étaient impliquées. L'histoire des villes secrètes soviétiques est inséparable de l'histoire de la bombe atomique. Les premières de ces villes ont commencé à apparaître dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1953, ce qui constitue la première phase du projet atomique soviétique.
Novo-Ouralsk, créé autour d'une installation de production d'uranium enrichi. Lesnoy, destiné également à la production d'uranium, puis transformé en usine de production en série de bombes. Et Oziorsk, avec son complexe de raffinage de plutonium, étaient des sortes de proto-villes du projet nucléaire soviétique. Et leur expérience a servi de base aux constructions postérieures. Les 10 villes secrètes atomiques qui sont nées de ce programme sont aussi chacune dédiées à une étape spécifique du processus de fabrication d'une arme nucléaire. Suivant la logique de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et permettre au système de fonctionner même si l'un des sites devient compromis. Les 3 premières ont rapidement été suivies par Sarov, premier centre de recherche et de développement des armes nucléaires, où travaillaient Igor Kourtchatov, le père du projet atomique soviétique, et Andrei Sakharov, scientifique dissident, créateur de la bombe H. Le centre a été construit en place d'un important lieu de pèlerinage, avec le premier laboratoire placé directement au sein du monastère masculin du XVIIIe siècle. Zheleznogorsk, site de fabrication des têtes de missiles, l'un des exemples de ville secrète le plus intéressant, car l'usine a été dissimulée à l'intérieur d'une montagne. Zarechny, complexe de construction des composants nucléaires militaires. Zelenogorsk, usine d'enrichissement d'uranium. Seversk, site de production et de traitement de matières nucléaires. Il s'agit de la plus grande ville fermée russe avec plus de 100 000 habitants. Tryobgorny, usine de fabrication des bombes. Et Snejinsk, deuxième centre de recherche, la ville où j'ai grandi. L'emplacement de ces villes était choisi avec grand soin. Elles se construisaient dans des endroits difficilement accessibles et peu visibles depuis les airs, éloignées des frontières et des grandes métropoles, mais avec des cours d'eau accessibles pour la gestion des déchets nucléaires. Les emplacements préférés étaient les montagnes Ourales, où se situe une grande partie des villes secrètes nucléaires, et la Sibérie. En URSS, l'existence même de ces villes et tous les détails les concernant étaient du domaine du secret d'État. Chacune portait le nom de la métropole la plus proche suivie d'un nombre. Krasnoyarsk 45, Arzamas 16 ou Tcheliabinsk 70. Leurs noms propres existaient, mais étaient confidentiels et leur ont été attribués officiellement seulement à leur déclassification dans les années 90. Ces noms pouvaient changer régulièrement pour préserver la confusion. Snejinsk, par exemple, a été connu comme Kasli 2, Tcheliabinsk 50, puis enfin Tcheliabinsk 70 jusqu'à la fin de l'URSS. Les habitants recevaient une adresse fictive dans la métropole. Ils étaient instruits à dire qu'ils habitaient rue Lénine s'ils sont questionnés, une rue de ce nom existant dans presque chaque ville. Я вспоминаю просто эпизод, когда отец однажды поехал на курорт. Его очень долго выспрашивал, очень долго пассажир сидел, выспрашивал о городе, о жизни. Вот. Отец все отнекивался, говорит, что в Челябинске живет на улице Ленина. Ну и как-то окивоками все. Но на ближайшей остановке его попутчик выходит и говорит, спасибо, молодец, ты ничего о городе не сказал. À la chute de l'URSS, la liste des villes secrètes a été rendue publique, et elles ont enfin pu obtenir leur propre nom. Plusieurs d'entre elles sont devenues ouvertes depuis, mais un grand nombre de villes fermées persistent, bien que leur existence est aujourd'hui connue de tous. En 2019, il en restait 38 avec plus d'un million d'habitants au total, ce qui fait que pas loin d'un citoyen russe sur 100 vit aujourd'hui dans une ville fermée. Les villes qui persistent aujourd'hui ne font pas toutes partie du programme nucléaire russe, mais elles sont toutes liées à la défense et aux armements d'une manière ou d'une autre. Elles sont dédiées à la recherche et au développement, ou alors à la fabrication, au stockage ou au désassemblage des armements, ainsi qu'au traitement des matières premières dangereuses, toutes les industries qui tombent dans le domaine du secret d'État. En plus des 10 villes fermées du programme nucléaire, les 28 autres sites appartiennent aux catégories suivantes. Les villes dédiées à l'industrie spatiale et aérospatiale, contrôlées par Roscosmos ou les forces aérospatiales. Ce sont généralement les villes qui se situent près des cosmodromes ou des centres de communication spatiale. Les sites qui appartiennent aux forces des fusées stratégiques de la Fédération de Russie, composante terrestre de la dissuasion nucléaire russe, qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est missiles balistiques. Les villes liées à la flotte maritime, et enfin les sites de communication militaire, les centres de développement de nouveaux types d'armements et certains objets de construction spécialisés. La majorité des anciennes villes secrètes soviétiques se trouvaient dès le début sur le territoire de la Fédération russe actuelle. Néanmoins, quelques-unes de ces villes existent aujourd'hui dans d'autres pays de l'ex-URSS. Au Kazakhstan, la ville de Kourtchatov abritait l'un des principaux polygones nucléaires de l'URSS. Elle est aujourd'hui ouverte. Les seules villes qui demeurent fermées au Kazakhstan sont rattachées aux sites aérospatiaux loués à l'État russe, comme le cosmodrome Baïkonour. En Lituanie, on peut citer la ville mourante de Visaginas qui s'éteint à petit feu après la fermeture de la centrale nucléaire
qui l'a fondée. Mais les secrets militaires ne sont pas propres à l'URSS et partout dans le monde, il existe des zones à accès réduit qui protègent des recherches ou des activités stratégiques. Comme l'exemple fascinant de la ville chinoise 404, lieu de son premier réacteur nucléaire, aujourd'hui abandonné. Ou encore le village de Daesongdong dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, interdit d'accès aux non-résidents. Comme vous avez vu, l'histoire des villes fermées russes, et de Snejinsk en particulier, est inséparable de l'histoire de la bombe atomique. La directive pour la première bombe soviétique apparaît en 1946. S'ensuit la création du premier centre de recherche nucléaire en Russie, le laboratoire KB-11, dans la ville historique de Sarov, qui aussitôt devient fermée et disparaît des cartes. L'effort a porté ses fruits, et l'URSS obtient sa première bombe atomique quelques années plus tard, malgré les estimations américaines qui l'attendaient plutôt vers le milieu des années 50. Par la suite, on soulève l'intérêt d'avoir un deuxième centre de recherche. Cela permettrait de pouvoir maintenir le potentiel nucléaire du pays si le premier est mis hors service, en plus d'offrir plus de capacités et un élément de compétition essentiel pour l'innovation. Et ainsi, en 1957, naît la ville de Snejinsk, la plus jeune de la famille des villes secrètes nucléaires de Russie. Comme le projet visait le développement d'armes plus puissantes, il était important de choisir un emplacement perdu, éloigné des agglomérations. Le choix s'est porté sur une région industriellement développée loin des frontières de l'URSS, dans les montagnes de l'Oural, à 105 km de Yekaterinbourg et à 123 de Tcheliabinsk, dont la ville tire son nom de code Tcheliabinsk 70. Le nom actuel, Snejinsk, pourrait être traduit comme ville des neiges, ce qui se reflète sur son blason qui consiste d'un flocon de neige avec un atome en son cœur. L'existence à seulement 50 km de l'usine de plutonium d'une autre ville secrète, Tcheliabinsk 40 ou Oziorsk, a sans doute été un autre facteur important. Ma grand-mère Larissa a travaillé à l'Institut de Snejinsk pendant presque 45 ans. Закончила я МИФИ, работала инженером-испытателем. Ну, испытатель — это испытывать изделия. Вот наш отдел занимался испытанием изделий на удар. Больше я ничего не скажу. Très bien. Sa famille est arrivée à Snejinsk dès sa fondation en 1957, lorsqu'elle avait 12 ans. В 48 году, когда мне было только 2 года, и этого я, естественно, не помню, мои родители переехали в Саров. Они, значит, жили с 48 года, считай, 5 лет в Сарове без выезда. Выезд в Саров был из Сарова. Из этого закрытого города был запрещен. И мы, значит, прожили там до 57 года в Сарове. А потом, значит, образовался, стали организовывать второй ядерный центр на Урале на случай, что если вдруг один ядерный центр, ну, так сказать, разбомбят, что у нас будет запасной ядерный центр. И родители мои решили сменить климат. И, значит, поехали в Снежинск. Тогда это назывался город Челябинск-70. Он тоже был закрытый. И специалисты из Сарова прям эшелонами направлялись. La construction des villes secrètes était réalisée par de la main-d'œuvre non qualifiée. Souvent, on y impliquait même les détenus du goulag, bien que Snejinsk fait partie des villes où ce n'était pas le cas. Craignant l'influence de la présence des prisonniers sur la population de ces nouvelles villes, ces personnes ont rapidement été transférées ailleurs. Et le même sort attendait les personnes socialement douteuses qui vivaient dans la zone. Les personnes invitées pour travailler sur le bouclier nucléaire, quant à elles, étaient sélectionnées parmi les meilleurs spécialistes du pays. Suivant le système de répartition des diplômés des universités qui était pratiqué en URSS, seuls les meilleurs d'entre eux recevaient la convocation à Snejinsk. Quand образовался наш институт, то привозили специалистов только из главных институтов столичных вузов и тоже был соответствующий отбор. И отец твоего отца, то есть твой дедушка, приехал из Петербурга. Учился он в политехническом институте, приехал работать. Он, значит, теоретик, инженер-физик. Les efforts ont porté leurs fruits. L'Institut, qui aujourd'hui se nomme Centre fédéral nucléaire russe VNITR, ou Institut pan-russe de recherche scientifique en physique technique, est à l'origine de plus de la moitié de l'armement actuel de la Russie. C'est aussi là qu'est née la bombe la plus infâme de l'histoire.
En 1959, dans un moment de rapprochement rare, les États-Unis sont invités à organiser une exposition nationale à Moscou. Les 3 millions de visiteurs ont été conviés à une sélection d'art, de mode, d'électroménager pour une démonstration du style de vie à l'américaine. Le vice-président Nixon s'est déplacé à Moscou afin de personnellement faire le tour de l'exposition à Khrushchev. Et pendant cet événement, les deux hommes se sont lancés dans un débat en plein milieu du rayon cuisine. Une conversation qui est restée dans l'histoire sous le titre de Kitchen Debate, débat de cuisine. Cette discussion est à l'origine de nombreuses phrases cultes, surtout de la part de Khrushchev, connu pour son langage très particulier. La conversation progresse rapidement de l'électroménager aux bombes nucléaires, et là, Khrushchev prononce la phrase qui devient le fléau de son interprète, qui, sur le coup, la traduit littéralement. En menaçant Nixon, il dit que l'URSS va leur montrer « la mer de Kouska ». Cette phrase fait partie des moments iconiques de Khrushchev, tout comme le fameux incident de la chaussure où il aurait frappé la table avec sa chaussure en guise de désapprobation à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais qui était ce Kouska, et surtout, qui était sa mère qu'on voulait afficher au monde? Il s'agissait simplement d'une locution, une promesse d'une menace, on va vous rendre la vie difficile, on va vous donner du fil à retordre, en quelque sorte. Khrushchev était connu pour sa manière de parler villageoise pleine de métaphores très spécifiques. Mais dans le contexte de l'époque, il ne s'agit pas seulement d'antique de langage. En 1959, la mer de Kouska existait physiquement. La mer de Kouska était le surnom de ce qui deviendra par la suite la bombe tsar. Как ты понимаешь, эту бомбу создали специально, чтобы запугать, что ли, американцев, чтобы они поняли, что мы тоже не слабые. И она была испытана единожды на новой земле. И даже занесена в книгу рекордов Гиннесса. Au moment du débat de cuisine, la bombe tsar était en développement derrière les barbelés de Snejinsk, pour ensuite être achevé à Sarov. Le test en a été réalisé une seule fois, en 1961, mais il a été suffisant pour radicalement changer notre perception de ce dont le nucléaire était capable. De 8 mètres de longueur et pesant 25 tonnes, aucun avion existant en URSS ne pouvait la prendre à bord. Et même avec toutes les précautions prises, l'avion peint en blanc pour réduire l'impact thermique, le parachute qui ralentissait la descente afin de donner à l'avion le temps de s'éloigner avant l'impact, les chances de survie de l'équipage étaient estimées à seulement 50%. Le test de la bombe tsar a secoué la Terre, littéralement. L'onde de choc a fait le tour de la Terre 3 fois, et la boule de feu était perceptible à 1000 km de distance. La puissance de la bombe a été de 57 000 kilotonnes. Pour comprendre ce que cela représente, les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki avaient une puissance de 15 et 21 kilotonnes respectivement, soit 1500 fois inférieure. L'explosion engendrée par la bombe tsar était en fait 10 fois plus forte que l'ensemble des munitions utilisées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Si l'objectif était de montrer au monde la mer de Kouska, il a certainement été atteint. Face à sa puissance sans précédent, le test de la bombe tsar a engendré la signature du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963, qui les bannit dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau. Depuis, tous les essais nucléaires se réalisent sous terre. En quoi se manifeste donc le régime spécial qui régit ces villes? Le périmètre de la ville est entouré de murs de barbelés et l'entrée se réalise à travers un ou plusieurs postes de contrôle gardés par des soldats armés de fusils. Les habitants permanents possèdent tous un pass qui leur donne le droit d'entrer et de quitter la ville. Les employés des entreprises atomiques, eux, ont un pass encore différent, leur donnant accès à la ville dans la ville, protégé par une deuxième série de barbelés, à savoir le complexe industriel pour lequel tout ce système a été organisé. У нас просто были пропуска, мы вы когда выезжали, у нас пропуска отбирали, клали их в ячейку на КПП. Назад, когда мы приезжали, нам выдавали эти пропуска на руки, а потом, значит, нам дали пропуска другой конфигурации. Pour faire venir un membre de famille, un droit d'entrée provisoire peut être accordé à la demande du résident local. Il faut que la relation soit prouvée et le processus ressemble souvent à une danse administrative de 45 jours où les autorités de l'entreprise atomique, qui peuvent ne rien avoir avec le résident en question, se réservent quand même le droit de refuser l'entrée ou de raccourcir le nombre de jours autorisés. Il n'existe aucune procédure pour faire venir juste un ami. Si l'entrée est accordée, les listes de noms sont envoyées directement aux soldats du poste de contrôle qui vont y chercher l'invité lorsqu'il se présente. Ma tante, qui nous rendait souvent visite, s'en souvient ainsi. La première fois, j'ai été surprise par la quantité de clôtures et de barbelés. Je pensais que c'était comme une prison. Je me demandais à chaque fois s'ils allaient me laisser entrer ou pas. Mais je doutais que les soldats aient des vraies mitrailleuses.
Aujourd'hui, malgré cet entourage, l'entrée illégale de ces villes n'est plus qu'une infraction administrative passible d'une amende. Le seul endroit qui continue à contenir le secret d'État est l'entreprise nucléaire elle-même. Dans ce cas, l'intrus risque des charges pour espionnage ou trahison, ce qui est, vous imaginez bien, beaucoup plus grave. Pour autant, même pour l'entrée légale, l'entreprise continue à régner sur la ville et les autorisations professionnelles pour les employés ou les spécialistes invités sont accordées beaucoup plus facilement qu'à votre mamie. Telle a été l'expérience de ma belle-mère qui, une fois, a dû entrer dans la ville non pas comme l'épouse de mon père, mais comme électricienne. Comme il est très difficile d'obtenir un laissez-passer pour entrer, ton père a demandé à son ami et il a réussi à me faire un passe professionnel en qualité de liftier ou d'électricien. J'avais peur qu'il y ait des questions au poste de contrôle, mais au final, il n'y en a pas eu. L'entreprise atomique oublie parfois que l'URSS est finie depuis 30 ans et qu'ils n'ont plus l'autorité et le contrôle absolu sur qui entre dans la ville. Aujourd'hui, si le refus d'entrée est contesté au tribunal, le plus souvent, le litige est résolu en faveur du demandeur. Les plus grandes restrictions reposaient et reposent toujours sur le dos des employés du centre de recherche. Ce n'est pas étonnant car à ses débuts, le projet était dirigé par nul autre que Lavrenti Beria, bras droit de Staline, chef d'orchestre des répressions politiques massives et du système du goulag. La méthode était éprouvée. Dans les années 40-50, le travail se déroulait sous les conditions les plus secrètes, avec une responsabilité pénale pour toute forme de divulgation qui s'étendait sur chaque personne impliquée dans le projet, quel que soit son degré de participation, des chercheurs aux employés de la cantine. Au cours de cette première phase, les habitants se trouvaient dans une isolation complète. Leurs courriers étaient lus, leurs appels téléphoniques écoutés. Tout était secret et personne ne savait exactement où se trouvait la frontière du secret d'État. Alors, dans la tradition soviétique, on taisait tout au cas où. Dans la correspondance entre les instituts secrets, ils utilisaient même des mots codés pour des termes qui pouvaient donner des indices sur la nature des recherches. Dans les archives, on trouve les mots comme uranium et plutonium remplacés par des noms fictifs, les termes comme radiation nucléaire remplacée par fumigation, réaction en chaîne par oxydation, et il en était de même pour les maladies spécifiques à la radiation. Aucune exception n'attendait tristement les personnes qui souffraient des accidents liés à la nature radioactive du travail. Les documents qu'ils étaient forcés à signer les obligeaient à emporter leurs secrets dans la tombe, et les médecins qui traitaient des maladies radioactives n'avaient pas le droit d'expliquer directement la nature de leurs maux. Aujourd'hui, les employés de l'Institut signent un accord très clair. Ils reçoivent l'accès au secret d'État tout en comprenant que cela entraîne une restriction de leur liberté. Par exemple, ils se trouvent dans l'impossibilité quasi totale d'aller à l'étranger. Les personnes ayant accès au secret d'État ne peuvent pas obtenir de passeport pour voyager en dehors des pays avec lesquels la Russie a des frontières ouvertes, comme la Biélorussie ou le Kazakhstan. Cette règle s'applique pendant les 5 ans après que l'accès à ces informations ait été révoqué, soit par une démission, soit par le départ à la retraite. После выхода на пенсию я 5 лет не могла получить загранпаспорт. Сразу не дают паспорт, потому что у меня был режим секретности. Les citadins ordinaires n'avaient généralement aucune idée de ce qui se passait à l'usine. Même au sein du cercle familial, il existait des accords tacites pour ne pas parler du travail, même quand les deux parents étaient employés à l'usine. Aujourd'hui, 11 ans après son départ à la retraite, ma grand-mère ne veut toujours pas me raconter son quotidien du travail. Et je pense qu'après 45 ans de confidentialité totale autour de ce sujet, cela ne risque pas de changer. Cela vient également avec son lot de privilèges. L'État compensait les difficultés de vivre dans une ville isolée du monde extérieur avec de grands avantages matériels. Tout le monde, quel que soit le domaine d'activité, se voyait facturer un complément de salaire de 20%. Les chercheurs recevaient un appartement et le niveau de possession de voitures était bien supérieur au reste du pays. La sphère sociale, la médecine et l'éducation étaient plus développées que dans le reste du pays, et l'offre culturelle et sportive était suffisamment riche pour compenser l'isolation. Et en l'absence de possibilité de sortir du pays, les employés de l'institut recevaient plus souvent que d'autres des sortes de chèques-vacances, les billets vers un séjour dans un sanatorium où ils pouvaient se reposer et prendre soin de leur santé. Каждый год можно было ездить в санаторий, но это не обязательно летом, допустим. Ну, зимой можешь поехать. В общем-то, там неплохо было, особенно в начале. Когда привозили специалистов из ведущих институтов нашей страны, то сама представь себе, там была оживленная жизнь. Beaucoup d'importance était accordée au sport. Des équipes pour les employés de l'institut sont apparues très vite, et les compétitions sportives ont historiquement été une raison justifiée pour entrer et sortir de la ville. Я не чувствовала, что мне там плохо. Я могла там ходить на лыжах,
заниматься спортом. У нас там были кружки спортивные для нас. Les habitants des villes secrètes, surtout ceux impliqués directement dans l'industrie, sentaient à juste titre leur statut unique. Ils étaient les forgerons du bouclier de la patrie, responsables de la défense du pays, et ils sentaient par conséquent que l'équilibre géopolitique, et donc la paix dans le monde, reposait sur leurs épaules. L'État entretenait ce sentiment d'importance et ne leur refusait rien. En comparaison avec les villes environnantes arborant le paysage classique des étagères vides soviétiques, les habitants des villes fermées n'avaient jamais connu le déficit avant le bousculement des années 90 et vivaient dans un état d'abondance. Да, в Снежинске снабжение было такое же, как в Москве. У нас не было дефицита ни товаров, ни продуктов питания. Когда я выезжал за город, да, я хватался за голову. Там я видел отсутствие хлеба, отсутствие колбасы, отсутствие молока. Этого не было просто за городом. These people who lived in the city of Озерск, they had things like caviar and condensed milk, which was really something rare and something that every kid in the Soviet Union dreamed about. Вот для них это было престижно, то есть для них как бы выделяли специальное место. Они себя не чувствовали заключенными, потому что у них все было самое лучшее. Снежинск a été la dernière ville construite pour le projet nucléaire soviétique. Pourquoi n'en ont-ils pas construit plus? D'une part, les attitudes envers le nucléaire commençaient déjà à changer lentement. On n'est pas encore au sommet des tensions que sera la crise des Caraïbes en 1962, mais l'exploitation civile et commerciale de l'atome commençait de plus en plus à devenir de l'ordre du jour. Le premier générateur électrique nucléaire commence à opérer en 1954 à Obninsk, dans la lignée des projets civils qu'on appelle Atom Pacific. Au même moment, le président américain Eisenhower lance son programme Atom pour la paix. Mais ce n'est pas la seule raison de pourquoi le réseau du projet nucléaire militaire arrête son expansion. Il se trouve juste qu'après 1957, il serait difficile de garder les recherches nucléaires dans l'ombre. En 1957, la famine des villes secrètes atomiques est secouée par sa première catastrophe. Oziorsk est la ville secrète la plus proche de Snejinsk, une sorte de sœur spirituelle, connue de son nom secret Chelyabinsk 40. Les deux villes communiquent beaucoup, professionnellement, mais aussi culturellement. Да, из Озерска приезжали к нам. В Озерске был театр профессиональный. Они приезжали к нам со спектаклями. Потом еще художественная самодеятельность от них приезжала к нам, а мы к ним приезжали. Даже я была в Озерске. Так что дружба между нашими городами была. Les habitants de Снежинск vont facilement à Озерск. Je me rappelle même y avoir été pour une sortie scolaire de cinéma. C'est aussi l'une des villes les plus radioactives dans le monde. Oziorsk est l'une des premières villes du projet nucléaire soviétique qui abrite le complexe industriel Mayak, lieu de production de plutonium de qualité militaire. Ce plutonium a notamment été utilisé dans la première bombe soviétique testée en 1949. En observant les vues d'Oziorsk, vous pourriez vous dire que les deux villes paraissent très similaires. Et vous auriez raison. Comme toutes les villes fermées atomiques ont été construites par le même bureau, jusqu'à la chute de l'URSS, elles se ressemblaient comme des jumelles. Aujourd'hui, l'usine gère le traitement et le recyclage des déchets radioactifs, ce qui fait qu'elle contient énormément de réserves de ces matériaux, parfois importés des autres pays. Mais derrière les apparences, Oziorsk est une ville connue auprès des amateurs de tourisme noir car elle est le lieu de l'une des plus grandes catastrophes technologiques nucléaires au monde, que seuls Tchernobyl et Fukushima surpassent en gravité. L'aîné des accidents nucléaires dans le monde, la catastrophe de Kishtin. Le complexe nucléaire Mayak a connu son lot d'accidents. Déjà en 1953, on note une surexposition des employés, puis en 1955, une chute d'une partie du bâtiment. Mais tout ceci est du jeu d'enfant comparé à l'accident de 1957. Suite à une panne du système de refroidissement, un réservoir contenant quelque part entre 70 et 80 tonnes de déchets nucléaires explose. Le nuage radioactif qui en résulte contamine une zone de 800 km² autour du site. Par ironie du sort, la ville de Chelyabinsk 40 elle-même n'a pas souffert, étant placée dans un sens contraire au vent. Mais la radiation s'est propagée dans les régions voisines. Il est difficile de dire combien de décès ont résulté de l'accident car personne n'est mort directement de l'explosion. Mais surtout de l'irradiation qui était rendue pire par sa composition chimique. La pollution nucléaire à Tchernobyl, par exemple, a principalement consisté d'iode 131, qui a une demi-vie de seulement 8 jours, alors que la pollution ici était principalement composée de strontium 90 et de cesium 137, qui ont une demi-vie de 30 ans et peuvent s'accumuler dans les eaux et corrompre la moelle osseuse. Насколько это озеро опасно для людей? Ну, министр наш сказал так, что два Чернобыля.
А вам не страшно, что вы работаете здесь, где два Чернобыля? Нет, не страшно. La zone où s'est propagé le nuage était habitée par 270 000 personnes, dans plus de 200 agglomérations. Et plus de 10 000 personnes dans les villages les plus proches ont été évacuées. Afin de liquider les conséquences, une vingtaine de villages ont été rasés et enterrés, les troupeaux tués et des tonnes de récoltes brûlées. То, что взрыв происходил, мы не очень-то понимали. Мы ездили в сторону русской корабльки убирать картошку. Мы их собирали ведра и были, значит, там тележки такие, туда мы клали. На тележках мужики как бы таскали туда на траншеи, а потом закапывали. Через некоторое время только было известно, что это зараженные были продукты, как бы. Их закапывали, их уничтожали, а мы дети ничего не знали, собирали вот это. La catastrophe de Kishtim a subi le même sort que Tchernobyl. L'incident a été gardé secret et a été officiellement confirmé en 1989 seulement, 40 ans après l'accident. C'est pour cette raison également qu'il est connu dans le monde comme la catastrophe de Kishtim et non de Oziorsk ou même de Chelyabinsk 40. Car évidemment, la ville n'existait pas sur les cartes. L'accident a été rattaché à la ville ouverte la plus proche. Comme l'explosion a créé une colonne de lumière qui brillait de couleur orangée, la version qui était offerte à la presse était qu'il s'agissait d'une aurore boréale. L'article de l'ouvrier de Chelyabinsk, publié une semaine après l'explosion, l'a décrit ainsi. Dimanche dernier, entre 10 et 12 heures, de nombreux habitants de Chelyabinsk ont observé une lueur particulière dans le ciel étoilé. Cette lueur, assez rare sous nos latitudes, avait toutes les caractéristiques d'une aurore boréale. Est-ce que la catastrophe de Kishtim a tiré le signal d'alarme sur le danger de rendre des villes entières secrètes? Ou est-ce que tout simplement le cycle de création des armements nucléaires était complet et ne nécessitait pas la construction de nouveaux sites? On ne le saura sans doute jamais. Le fait reste que, après 1957, plus aucune ville fermée pour le projet atomique soviétique n'a été construite. Bien sûr, quand une zone est interdite d'accès, les habitants des zones avoisinantes commencent à se poser toutes sortes de questions, et en l'absence de réponses, créent et propagent leurs propres théories et légendes urbaines. Par exemple, la ville de Znamensk, fermée pour cause du site d'essai de missiles de Kapustin Yar, est devenue connue en Russie et à l'étranger comme une sorte de pendant soviétique de la zone 51. Les rumeurs affirment que le site sert d'un lieu de stockage à tous les ovnis abattus sur le territoire russe qui sont préservés dans un système de bunkers à plusieurs niveaux, dont il existe même des plans hypothétiques. La ville de Kishtim, elle aussi, a ses légendes extraterrestres, comme le nain de Kishtim, encore humanoïde momifié de 25 cm avec une tête allongée et encore mal proportionné, trouvé dans les années 90 par une retraitée qu'il appelait affectueusement Alyosha. La momie à l'apparence étrange est considérée comme un extraterrestre par les associations ufologues, mais l'explication la plus plausible reste qu'il s'agirait simplement d'un enfant déformé à cause de la radiation dans la région, ce qui a été confirmé par la découverte d'une momie très semblable au Chili, dont l'ADN a été analysé. Mais ce genre de théorie était voué à se reproduire jusqu'à ce que l'activité des villes secrètes soit rendue accessible au public. L'année 1989 marque un tournant pour les villes secrètes. En répondant aux questions d'un journaliste, le ministre responsable de la branche nucléaire révèle non seulement l'existence de ces villes qui n'apparaissaient pas sur les cartes, mais en plus ce qui jusque-là n'était que rumeur, à savoir la vraie nature de l'accident de Kishtim. À partir de ce moment-là, l'existence des villes secrètes est révélée au monde et leur sort change à tout jamais. Ce qui s'ensuit, non seulement de cette révélation, mais du contexte général de la fin de l'URSS, n'a pas été facile pour ces villes. L'URSS se casse en 15 républiques indépendantes, dont 4 ont des armes nucléaires avec une fraction du budget d'avant. L'État n'a plus les moyens de satisfaire chaque caprice des villes fermées et les entreprises du secteur atomique sont poussées de leur piédestal vers le monde brutal du marché libre. Leur seule activité, fabriquer des bombes, n'est plus de l'ordre du jour, et leurs privilèges se dissolvent du jour au lendemain. Dans une nouvelle économie de marché, le fait d'être centré autour d'une seule industrie devient un poids plutôt qu'un avantage, et le développement des autres secteurs du commerce est largement freiné par le mur de barbelés. Nos настроения очень сильно изменились в последнее время, потому что мы привыкли считать себя нужными стране, привыкли считать, что делаем очень важное дело. И это подкреплялось всякими знаками внимания, материальными, моральными. Сейчас положение изменилось совершенно радикально. Скорее наоборот, звучат в прессе обвинения в том, что мы делали дело не полезное, а наоборот.
вот, вредное для всего человечества. Les chercheurs de l'Institut survivent à peine, et certains ne survivent pas du tout. Une tragédie qui marque le désespoir des entreprises atomiques à cette époque est le suicide du directeur du centre de recherche de Snejinsk, Vladimir Nechai, en 1996. À ce moment, les employés ne recevaient plus de salaire depuis 6 mois, et le directeur était impuissant, n'ayant pas de quoi leur payer, faute de financement fédéral. Зарплатами было тяжело, нам не платили по полгода. Было такое, что привозили хлеб, люди брали хлеб как бы в дом. Les patriotes atomiques doivent faire l'impensable, se vendre à l'ennemi. Et la fuite de cerveau est d'une intensité effrayante pour tout le monde. Les pays occidentaux ne sont pas les seuls joueurs sur l'arène, et certains politiciens expriment leur inquiétude non seulement quant à l'avenir de l'arsenal nucléaire dans 4 nouveaux pays sans moyen de le maintenir dans les règles de l'art, mais ils craignent également que ces milliers de chercheurs fuyant les villes atomiques vendraient leurs services aux pays en voie du développement comme l'Iran. Comme l'a exprimé le sénateur américain Sam Nunn en 1991, est-ce que nous comptons rester les bras croisés sans rien faire, sachant pertinemment qu'en agissant ainsi, nous ne ferons rien pour empêcher les scientifiques soviétiques de vendre leurs services aux plus offrants du tiers-monde? Alors les États comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis subventionnent généreusement des programmes afin de s'assurer que les chercheurs des villes fermées restent où ils étaient. Les villes fermées ont su s'adapter et survivre. L'entreprise nationale de l'énergie nucléaire, Rosatom, gère désormais toutes les entreprises du secteur et a su retrouver une place importante dans le nucléaire mondial en développant des projets innovants ou en construisant des centrales pour d'autres pays, comme par exemple l'Inde et la Turquie parmi d'autres. Beaucoup de villes fermées se sont ouvertes avec le temps, mais les 10 jumelles du projet atomique continuent à vivre derrière les barbelés du régime spécial. Le ministère du développement économique russe se trouve en tiraillement permanent avec Rosatom, afin d'offrir à ces villes la possibilité de développer une indépendance économique et progressivement s'ouvrir et entrer dans le rang des villes ordinaires. Jusqu'ici, aucune des villes de la famille atomique n'a saisi cette chance. Bien au contraire, leurs habitants expriment leur désaccord très fort, malgré leur docilité habituelle. Selon eux, l'ouverture de ces villes mènerait à une explosion de criminalité, ainsi qu'à la perte des meilleurs esprits des instituts. Bercés dans le sentiment de leur propre importance et d'une mission qui leur valait des privilèges uniques, les administrations de ces villes s'accrochent comme elles peuvent à ce statut spécial, aussi obsolète qu'il soit. Et ainsi, Snejinsk, qui en 2010, lorsque je le quittais, devait s'ouvrir dans les années à venir, reste plus fermé que jamais 12 ans plus tard. Les retraités continuent à recevoir leurs pensions élevées, le dernier des privilèges d'antan, et, paradoxalement, encouragent leurs enfants à partir. Derrière leur orgueil, ils savent que la réussite est désormais ailleurs. Au final, il ne reste plus qu'à se poser la question. Est-ce que toute cette confidentialité était nécessaire? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a fonctionné. De toute l'histoire de l'existence des villes fermées, un seul cas d'espionnage est connu. En 1962, un avion américain a été abattu près de Sverdlovsk. Son objectif a été de filmer la zone depuis les airs. Dans les archives de la CIA rendues publiques dans les années 90, toutes les informations sont très vagues. Quelque part, près de Kishti, où il existe une certaine usine, ce qui voudrait dire que l'objectif de ne laisser fuiter aucune information a été atteint. Ce qui saute aux yeux, c'est aussi que les ressemblances entre le projet atomique soviétique et américain sont extrêmement fortes. Création de villes de zéro ou en déplaçant les populations précédentes, grandes restrictions de liberté, villes qui se trouvent en fin de compte avec l'usine comme seul employeur principal. Les résidents de ces villes ressentent toujours beaucoup de patriotisme et de fierté envers leur contribution à la sécurité de leurs pays respectifs. La ville de Richland, qui tout comme Oziorsk a été formée autour de l'usine de plutonium enrichi, conserve les traces de son héritage jusqu'au logo de leur lycée qui porte fièrement le nuage atomique. Et chacun cherche une manière de comprendre son héritage dans un mélange complexe de regrets et de fierté. L'interview de ma grand-mère dans son intégralité, enrichie d'illustrations et d'explications, sera bientôt disponible sur mon Tipeee. Peu importe le montant du don. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour l'Apocalypse nucléaire.